Bonjour à tous, c'est Christophe de chez DMC. Vous demandez sûrement pourquoi je fais cette vidéo aujourd'hui, alors que je n'ai jamais fait auparavant. Plusieurs raisons à ça. Le but de la vidéo est de vous présenter cette nouvelle chaîne YouTube qu'on a mis en place depuis quelques temps maintenant, mais qu'on n'a pas vraiment exploité. Sur cette chaîne, je vais vous parler de l'univers de la domotique, de l'univers de la formation en domotique en particulier. Et plus particulièrement de la domotique dans un cadre professionnel et en ce qui nous concerne dans le monde du KNX. Il y a effectivement plein de chaînes YouTube qui parlent de domotique qui bien généralement sont faites pour des gens qui font de la domotique par eux-mêmes, le do it yourself. Dans le cadre de formation, on n'en entend pas parler, ou alors très peu. Il y a plein de chaînes domotique YouTube, comme je vous le disais, il n'y en a aucune qui s'adresse aux pros, il n'y en a aucune qui fait de la veille technologique pour les pros, et il n'y en a aucune qui va vous former sur des technos comme KNX. Donc le but de cette chaîne YouTube qu'on fait à partir d'aujourd'hui, c'est justement de vous aider dans la formation, de vous aider à monter en compétences et de vous fournir des supports qui vont vous aider à progresser dans ce domaine. On va donc faire des vidéos sur les fonctionnalités de la domotique, ce que ça permet de faire, des vidéos plus commerciales, comment aborder la partie domotique avec vos clients pour arriver à vendre des installations à vos clients. On va également vous proposer une veille technologique. Donc pour ceux qui suivaient mes activités auparavant, j'ai fait beaucoup de blogs. Vous trouverez les liens sur les différents blogs que j'ai pu faire dans la description de la vidéo. Donc l'idée c'est que ce qui avant se faisait sur les blogs se fera maintenant sur la chaîne YouTube dans un format vidéo qui sera peut-être plus sympa, qui sera plus facile que des captures d'écran. Donc je vous ferai des démonstrations en vidéo, des démonstrations sur le logiciel ETS, comment ça se passe pour programmer certains éléments. L'idée également, c'est de vous former. Donc, on va vous proposer des formations en vidéo dans lesquelles vous aurez des captures d'écran, vous aurez des démonstrations en réel de ce que ça donne sur des platines de formation. Tout ça sera filmé et vous montrera la partie logicielle, comment ça se programme et ce que ça donne dans la réalité. On vous fournira également des projets ETS qui vont bien, pour que vous puissiez également de votre côté faire l'auto-correction de ce que vous aurez enseigné et de ce que vous aurez fait dans la pratique sur vos propres maquettes. On vous fournira également un suivi pour ceux qui auront suivi les formations en ligne, ces formations vidéo que je vous propose maintenant. On vous fournira un support si jamais il y a des trucs que vous n'avez pas compris. On vous aidera par mail ou éventuellement par téléphone. En dehors des professionnels qui pourraient être intéressés pour monter en compétences dans ce domaine, on s'adresse également aux gens qui sont en reconversion professionnelle, aux gens qui sont à Pôle emploi, aux gens qui veulent éventuellement complètement changer de filière professionnelle. On va s'adresser également à des personnes qui font d'autoconstruction. Il y a des gens qui, à l'heure actuelle, construisent leur maison, qui ne savent pas comment s'y prendre sur la partie domotique, en particulier sur la partie KNX, donc ils sont intéressés pour faire des choses, mais ils ne savent pas comment les faire. Donc, ces formations vont les aider eux aussi à avoir certaines bases qui vont leur permettre de mieux appréhender leur projet et éventuellement, pourquoi pas, de faire la programmation eux-mêmes. Pour me présenter un petit peu plus, un certain nombre d'entre vous me suivent sur les réseaux sociaux. Donc, je vous ai parlé des blogs que j'ai déjà animés. Il y a également le groupe Domotique sur Facebook, sur lequel je suis administrateur. Je vous encourage, pour ceux qui sont intéressés par tout ce qui est domotique, pas seulement le KNX, à vous inscrire sur ce groupe domotique, c'est complètement gratuit. Il y a une grosse communauté de personnes qui participent et c'est assez dynamique. Donc voilà, profitez-en. Pour vous parler également un peu plus de moi, je suis formateur KNX depuis maintenant 3 ans. Je fais des formations en présentiel, donc sur tous les niveaux en KNX, depuis les bases, Advanced et Tutor. Dans la région parisienne à Champs-sur-Marne où on a notre centre de formation. Donc sachez qu'en plus des formations vidéo, si vous voulez rentrer dans la pratique de KNX, faire la certification, vous pouvez venir sur place
pour vous former. Pourquoi avoir fait des formations au format vidéo? En fait, il y a plusieurs raisons. Parce que d'abord, les formations présentielles, ce n'est pas forcément pratique pour tout le monde. Ça nécessite de se déplacer plusieurs jours, ça occasionne des frais. Et on n'a pas forcément le temps, ni le budget pour faire des formations présentielles. Ensuite, il y a des gens qui nous ont sollicité de l'étranger parce qu'ils voulaient se former, mais pareil, ils avaient des problèmes de budget, ils avaient des contraintes de temps, et c'était pas forcément facile pour eux de le faire et de se déplacer. Donc, la solution d'avoir des formations vidéo, c'est pas une solution qui vous permettra d'avoir la certification KNX à distance, c'est pas possible à l'heure actuelle. Mais ça vous permettra au moins d'avoir des bases pour commencer à travailler sur le sujet. Et puis, pourquoi pas venir en certification plus tard pour passer l'examen. Alors, on aura plusieurs formations qui seront présentées. Je ne vais pas vous refaire le topo sur les formations qu'on propose en présentiel. Vous avez tout sur notre site internet formation-knx.com. Donc, c'est inutile que je vous fasse la promo de ça. Je vais juste vous parler des formations qu'on va présenter ici. Les prochaines seront sur les bases de KNX. Qu'est-ce qu'il faut comprendre sur le KNX pour pouvoir commencer à travailler sur ce sujet-là? Et on montera en compétences et en complexité dans le logiciel ETS au fur et à mesure des vidéos. Peut-être une question que certains se posent, c'est quelle est ma légitimité pour parler de domotique? Pour faire court, je suis dans le métier de la domotique depuis une bonne dizaine d'années maintenant. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, formateur depuis 3 ans. Tout en étant formateur, bien sûr, on garde une partie de terrain en faisant de l'intégration sur les chantiers. Donc, l'expérience qu'on a, on vous l'apporte également à travers les formations, que ce soit en présentiel ou sur les vidéos. Donc, si on rencontre des cas concrets dans la vie, on vous en parlera également pour vous éviter de vous faire piéger dans vos propres chantiers. En ce qui me concerne, en dehors de cette partie formation CANIX, je fais également de l'enseignement en niveau licence pro dans les formations Smart Building à l'université. Je suis reconnu dans le milieu professionnel via la veille technologique que j'ai pu faire et dont je vous ai parlé sur les blogs encore, même si je suis moins actif ces dernières années. Et ensuite, notre légitimité à faire des vidéos de formation. Parler de domotique, c'est une chose. Parler de formation en domotique, c'en est une autre. Notre légitimité pour faire de la formation, c'est que bah, d'abord, DMC est centre de formation. Donc, vous pouvez venir sur des formations en présentiel, faire financer vos formations par des organismes divers et variés dont on parlera dans une autre vidéo. On a une expérience des dossiers, on a une expérience de la formation. On est centre de formation KNX++, c'est-à-dire qu'on peut aller jusqu'au niveau de formation des formateurs en KNX. On a déjà formé des centaines de personnes DMC depuis le temps qu'est centre de formation a contribué à former de nombreux intégrateurs sur la France, mais également à l'étranger, puisque on assure les formations aussi dans des pays comme l'Algérie, la Tunisie et aux États-Unis. La meilleure légitimité qu'on puisse avoir, c'est nos anciens stagiaires qui parlent de nous. Donc, je vous invite à les consulter si vous voulez plus d'informations. Si vous voulez en savoir plus, être tenu au courant des prochaines vidéos qui seront publiées, je vous invite à vous abonner sur le bouton en bas de cette vidéo, à la liker si vous l'avez aimé. Vos commentaires sont également les bienvenus. C'est la première vidéo que je fais en me montrant comme ça. Donc, si vous avez des suggestions, si vous avez des idées pour me faire progresser, pour faire progresser la chaîne, des idées de sujets qu'on pourrait traiter, des news que vous pouvez me donner que je pourrais également présenter en vidéo, n'hésitez surtout pas, soit à m'envoyer un mail, soit à mettre en commentaire de cette vidéo, et on essaiera dans la mesure du possible d'y répondre dès qu'on peut. Pour vous parler de la suite, la prochaine vidéo traitera du financement des formations. C'est un point important parce que les formations en présentiel coûtent cher. Et
bien souvent, on a besoin de les faire financer pour pouvoir y participer. Donc, dans la prochaine formation, la prochaine vidéo, pardon, je vous parlerai exclusivement de comment vous pouvez financer ou faire financer vos formations. Merci de votre attention, à bientôt.